tout pour un nouvel épisode des mondes imaginaires. Donc, comme vous l'avez remarqué, l'équipe s'est agrandie. Car Clémence, qui était l'année dernière en tant que présentatrice slash caméraman, des fois, slash personne qui présente un livre, pour cette émission est caméraman. Car maintenant, il y aura un roulement. On a un roulement parce qu'il y a une nouvelle personne. Voici Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Quelles étaient vos motivations pour arriver à cette émission? J'aime bien lire, j'ai des amis dans cette émission, dont vous deux. Enfin, celle du fond, je sais pas, mais toi, oui. Voilà. Et vous, quelles sont vos motivations? Moi, je suis pas nouvelle, donc vous me connaissez, donc on passe à mon livre. Alors, le livre que je vais présenter, donc, c'est Les Toads. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Polly. Elle vit dans une famille de personnes magiques, mais elle, c'est une personne tout à fait normale. Et donc, elle vit à peu près normalement avec sa famille, même si elle est différente. Jusqu'au jour où son oncle, l'oncle Deprius, meurt, alors sa famille, elle hérite de sa grande maison. Et évidemment, puisque l'oncle est une personne magique et que ces personnes voient dans le noir, il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Donc ils vont emménager dans cette maison, même si Polly a pas trop envie, mais elle va devoir vivre avec. Oh, cool. Et est-ce que t'as aimé le livre? Ouais, j'ai bien aimé le livre. En plus, c'est le genre de livre que j'aime bien, du coup, c'était bien. Et ok, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres tomes ou pas? Oui, il y en a d'autres, mais je sais pas combien. D'accord, oh, cool. Merci. Bon, maintenant, on va passer à Louis. Vas-y, Louis, fais-nous ton résumé. Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le livre dont vous êtes la victime. Donc, ce livre parle d'un jeune homme qui est collégien, il s'appelle Alex, et il surprend une conversation entre deux personnes dans un couloir du collège Lafayette. Et apparemment, une nouvelle librairie avait ouverte dans le quartier du Styx. Et c'est une librairie spécialisée dans les livres d'horreur, d'aventure, de suspense, etc. Et donc du coup, Alex, il décida d'y aller. Et il acheta un livre avec une couverture argentée. Et ce livre se nomme « Le livre dont vous êtes la victime ». Ouais. Et donc ce livre, il était piégé. Les pages restaient bloquées et ne se débloquaient que quand ils eurent achevé les missions demandées par le livre. Un jour, il dut aller dans un cimetière la nuit pour s'introduire dans des tombes. Le but d'Alex était de tuer la valeur d'ombre, un homme qui se déplaçait très vite et devait tuer le plus de gens possible. Alex et Camille avaient rendez-vous dans une villa pour l'abattre. Oh, cool! Et du coup, Louis, est-ce que toi t'as bien aimé ce livre? Pourquoi? Ah moi j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y avait du suspense, c'était cool et tout, non franchement je reconseille ce livre. Tu le conseilles? Ouais. Ah c'est bien ça. Oui, parce que je le reconseille pas mais je le conseille. Et pourquoi est-ce que il t'a tant plu? Parce que il y avait beaucoup de suspense. Ah t'aimes ça le suspense. Ah hein. Et l'aventure aussi. Ah ouais. Et tu pourrais juste nous dire un peu c'est quoi ton passage préféré? Pas le citer, mais juste la situation de ce passage. C'était au moment où ils étaient dans la maison où ils pensaient qu'il y avait la valeur d'ombre et en réalité en fait c'était d'autres personnes qui avaient aussi le livre à couverture argentée qui devait venir et tout, c'était trop cool. Ouais. D'accord. Merci Louis. On espère que la vidéo vous a plu, que vous l'avez aimé, je l'ai déjà dit, que vous allez vous abonner, vous allez liker, mettez des commentaires, bref, aimez la vidéo, hein. Et on vous dit salut, à la prochaine, salut.